Pas. En hiver, on a le soleil rasant là sur les collines et la lumière elle est toujours magnifique. Toujours un peu d'humidité aussi, donc ça fait plus de perspective atmosphérique. C'est toujours vraiment intéressant en image. Bon. Voilà. Pour l'instant, je vais pas la fixer. Je vais la laisser un peu comme ça. De toute façon, il y a encore du boulot. Ici, il faudra que je mette un espèce de petit nez de marche pour protéger. Pas que le bois s'effiloche. Elle est pas trop mal ajustée. Il y a deux, trois petits coins ici où c'est pas parfait. Ici aussi, là, il manque. Donc, ici aussi, je crois, un peu. Mais ici, de toute façon, il y a la double cloison là que j'ai quasiment entièrement cassée et que je vais refaire différemment. C'est pour ça que c'est moche et que c'est à l'arrache. Que je vais refaire bientôt là, toute cette partie de la cuisine. Là, je vais la refaire aussi bientôt. C'est en cours. Donc ça c'est pas très grave tout ça, je verrai ça plus tard. Pour l'instant j'avance, j'ai pas vraiment de plan prédéfini, j'ai pas de technique prédéfinie. La planche de toute façon il va falloir au minimum que je la traite, parce qu'il va y avoir beaucoup de passages. Celle-là ça a l'air d'aller. Celle-là faut que je la rabote un peu.
aujourd'hui ça ira. Ça y est, là, il n'y a plus de soleil du tout. Il est 5 heures. Ça ne change plus du tout. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau chauffage, je me suis rendu compte d'un truc. Je le voyais venir un peu, mais c'est que mes batteries ont pris un sérieux coup. Je pense que c'est quand j'étais en Scandinavie l'année dernière, dans le nord. Elles ont dû prendre des grosses décharges et elles tiennent plus aussi bien qu'avant. Bon, elles ont 3 ans et demi quand même d'utilisation à temps plein, donc c'est aussi peut-être un peu normal. Mais le petit bémol avec ce nouveau chauffage, comparé à celui qui était tombé en panne que j'avais avant, que j'avais avant était à gaz. Donc ça demandait juste de l'électricité pour le ventilateur et pour l'allumer, mais après c'était la pression du gaz qui faisait le truc. Là il y a la pompe, il y a le ventilateur, mais il y a aussi la pompe en plus qui pompe le diesel mais aussi l'électricité du coup. Et c'est vrai que là ces derniers jours on a eu beaucoup de froid. Et j'ai bien vu que quand je mettais le chauffage plusieurs heures d'affilée, ça, les batteries elles descendent. Si c'est très nuageux, on a eu des jours de pluie, des jours de neige. Et j'ai aujourd'hui là, on a eu des beaux rayons de soleil quand même, mine de rien. Et j'arrive pas à retourner à 100% de batterie. En général, il me faut vraiment un vrai jour sans aucun nuage, plein plein soleil pour retrouver les 100%. Et quand on se prend 2-3 jours de mauvais temps derrière, c'est un peu limite. Alors voilà, et ça c'est un truc encore sur lequel il va falloir que je me penche. Alors c'est vrai que là en ce moment on est le 19 décembre, donc là on est vraiment dans le creux de la vague, c'est aussi certainement pour ça, on est dans le creux de la vague avec des journées quand même relativement nuageuses ou pluvieuse. Donc voilà. Ça c'est les petites nouveautés, c'est ce que je découvre aussi au fur et à mesure avec ce chauffage, qui est très bien par contre, j'en suis très content en termes de silence, d'efficacité, etc. Mais il pompe plus d'électricité que ce que je pensais. Ça n'existait pas là. Quand j'habitais ici, c'était que des champs. Ça a tellement changé ici.
un tour. Toujours essayer d'évacuer un maximum de poils de chien. Sinon ça devient vite l'enfer dans un petit espace comme ça. Et le double plancher, au moment où j'ai décidé de l'installer, il faisait froid. Je me suis motivé à le mettre. À l'installer, il faisait vraiment froid. Et depuis 2 jours, là, on se croit au printemps. Je suis en t-shirt, il est midi et demi. Et j'ai presque trop chaud, quoi. Donc, il servira dans l'hiver, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, je vois pas de différence puisque il fait pas loin de 20 degrés. Donc on verra plus tard pour l'efficacité. Et puis là, direction le Var. Doucement. Hop. Tu reconnais Arbus? Oui, il y a un chat là-bas, mais tu touches pas. Ah, bah si, je vais pas ça. Ah, t'inquiète, ça va, ça va. Non, mais ça va. On a vu que tu as fait l'isolation. Tu as fait l'isolation, il fait 20 degrés. Si tu peux m'isoler. Tu vois, mais franchement, je t'ai vu faire, j'ai dit, le mec, il a trop raison, quoi. Franchement, là, entre le chauffage et l'isolation du sol, ça va te changer la vie, quoi. Ça va vachement bien, ouais. Comparé à l'année dernière, ça c'est sûr. Ah ouais. J'imagine. Bah, l'année dernière, je me souviens quand tu me disais il fait zéro quand t'allais te coucher. Je disais, putain, le pauvre quand même, c'est hard. C'est l'aventure. Allez, viens voir, comme bien ça. Fait la caresse. Je te levais la patte, regarde. Jolie chaussure. Attends, j'y en donne, le pauvre. Il faut pas faire ça sans récompense derrière. Et oui, bien sûr, évidemment. Mets tes oreilles, mets tes oreilles. Mais tu lui donnes des tranches. Ah si! Fais attention, son pays il a une tout petite. Et doucement, hein! Estomac à queue! Doucement, je veux que tu ailles. Non! La patte, je m'en fous. Je veux doucement. Je vais la reposer. Doucement. Doucement, Argos. Non, le tu vas prendre. Pauvre, tu vas. Lui. Oui, je vais lui donner, mais je veux qu'il aille doucement. Il sait, tout à l'heure, il a. Voilà, good boy. Oh, good boy. Good boy. Oh, good boy, oui, good boy.
marchant sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que. Oh, génial ça! Voilà. Bonne nuit! Voilà, c'est notre chasse. Et là, juste derrière ici, juste là derrière, on se rend pas compte, mais il y a le lac de Sainte-Croix. Non, de Esparron. Juste là derrière. Pas Sainte-Croix, il est plus haut, il est là-bas. Ah oui, il y a les trois antennes. Je me rappelle. En fait, tu vois là où il y a la brume. Ouais. Et ben c'est le lac. Oui, t'as les antennes comme repère. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je vois vraiment pas d'intérêt. Donc, je pense que les mecs sont des très bons ingénieurs et que s'ils ont fait les choses comme ça, c'est qu'il fallait que ce soit comme ça. Donc, je touche pas vraiment au reste. Tac. Alors. Rendez-vous. Tac. Attends qu'ils chopent les GPS. Allez, vas-y. Un petit chasing de la voiture. Tout tranquille. Donc c'est ça qui est vachement avantageux après. Chien. Oui, il est pas avec ça. Mais son... Alors, boss, tu fais le marmiton ? Hein ? Tu fais le marmiton ? Tu fais le comique, c'est la règle. Tu vois le truc ? Oui ? Ah, c'est pas. C'est couché sur le tapis. Tu vois un truc ? Oui. Ça marche pas mieux. Si t'en reprends, j'en reprends. Si t'en reprends pas, j'en reprends pas. Ah bon ? Tu t'en comprends ? Je suis un peu comme toi alors. Hein ? Je suis un peu comme toi, j'allais dire, si t'en reprends mieux. Voilà, celui-là il a 18. Ouais. Viens boire un peu. Viens. Mais l'eau tout de suite c'est moins attractif, tu vois. C'est un chamois, hein. Il boit quand même très peu. T'as bu, il boit. Un peu. Ça donne soif les chips, hein. On va aller chercher l'os après, hein. Quand même plus. Je peux filmer le frigo. Je suis une maniaco-dépressive du frigo. Attendez. Hop. Il est bien rempli en tout cas. Ouais. On peut pas. Il faut qu'il soit propre et rempli. Et rempli. Non, pas forcément rempli, mais propre. Qu'il soit propre. Oh, t'as deux gros chapeaux là qui sont magnifiques. Et c'est ce que tu as mangé dans ton burger. Ouais, ouais. T'as vu ? Petit goût de lard. Je vais faire un film sur toi, Carole. Si tu veux. Non, ça perturbe. Tu seras mon... T'abuses. Tu seras mon personnage principal. Cool. Quel personnage ? Allez. Donc. L'oignon, ouais, c'est moins son truc. J'ai fait. Il est moins client. Je lui fais tout sentir. Ça
me faut la pierre, en fait. Au resto, moi j'avais un aiguiseur électrique. Ça marche, j'ai eu feu de Dieu. Ah oui, on en avait parlé la dernière fois. Ça prend une seconde tous les 3 jours. Ouais, c'est ça. Une seconde tous les 3 jours, ça aiguise parfaitement. Et j'hésite à m'en reprendre un. Ouais. C'est vraiment très très bien. La pierre est une vraie technique. Hein. Oui. Moi j'avoue que je ne me suis jamais penché sur le sujet. Et... Alors la pierre, moi je l'ai vu faire parce que le papa d'Alexandre aiguisait ses couteaux avec, pour le boulot. C'est toute une technique. Ouais, il y a une vraie technique, effectivement. Et au début, tu les flammes en fait, tes couteaux. Ouais. Moi j'avais essayé, j'avais une pierre, j'avais essayé, mais en fait, si t'as pas le bon angle, le bon machin, tout, en fait, tu flammes complètement. Et je le voyais faire, tu vois, par exemple, ça c'est la pierre. Ouais. Ouais. C'était vraiment. Il faut savoir le faire. Je pense. Un vrai petit coup de main à prendre. Ouais. Après, par contre, ça fait. Ah, après, moi, il me disait, fais gaffe. Hein. Ça te fait des filets magnifiques. Quoi. Enfin, mais c'est... Tu l'entends au bruit quand tu coupes. Après, le couteau, il fait. Ouais. Modérément. Hein. Ça va être beau quand je vais verser le coco dessus. Il a des choses pas mal. Hein. Je pense qu'il y en a une qui va attirer. Voilà, t'as du choix quand même de voir. Isaac, il voulait me voir. Donc j'ai fait un appel vidéo avec Isaac pendant 5 minutes. Il a posé la journée pour passer la journée avec son fils. Si t'as mon téléphone, tu peux chanter. Hein. Oh oui. Sur la table. On le garde pour rectifier l'assaisonnement. Vous appuyez les shiitakes avec moi, banane. T'es coréen là, t'es plus pâle. Donc ça, ça en est bon. On va faire la pâte à gyoza. La dernière fois, je me faisais la réflexion en cuisinant. Ce mouvement de l'éponge. Donner le nombre exact de fois où je l'ai fait dans ma vie. Ah ouais, t'as, ça fait, t'as fait des kilomètres d'éponge. On est bon, mec.
T'es pas, tiens. Qu'est-ce que je veux dire? T'es pas à l'eau. C'est bien parce qu'elle aura le temps de bien reposer. D'habitude, je ne laisse pas reposer. Ça sera encore plus malléable. Bring to a boil, then reduce. Mais là, tu peux pas réduire en fond. Après, une fois que ça a bouilli 5 minutes, je coupe tout et je laisse infuser tout l'après-midi. Et je ferai réduire une heure avant. Normalement, je le passe quand il a refroidi. Et je fais réduire après. T65, c'est la plus basse que j'utilise. Après, c'est trop blanc. Après, c'est quand même aseptisé. Donc, il faut que tu règles juste ton eau en fonction. Parce que plus c'est complet. Mais... Plus t'as besoin d'eau ou moins t'as besoin d'eau? Eh non, moins. Moins. Parce que le gluten absorbe moins. Une question de gluténisation. Après, tu sais, quand tu es en cuisine depuis des années, tu sais même pas pourquoi tu fais les choses. Oui, c'est instinctif. Tu le remarques au fur et à mesure, tu vois. C'est quand tu t'es viandé deux fois, tu dis non, là, je vais pas me faire avoir. T'es freiné aussi par tous les trucs, on s'en rend pas compte, mais quand on est installé dans une vie, on a déjà un appart, machin, mais après t'es sorti de ce système. Oui. Donc, pour re-rentrer dans ce système, on te demande toujours des trucs, il te faut une adresse. Oui, mais après il te faut des fiches de paye pour avoir un appartement, un machin, un truc, et toi t'as pas tout ça, donc... Non, mais je sais. Hein. Donc t'es dans ce truc où, effectivement, ça... C'est difficile, ouais. Moi, je pense que c'est pas si simple. C'est des cercles où tu re-rentres pas comme ça, tu en sors pas non plus comme ça, mais tu re-rentres pas. Exactement. Et de la même manière, moi, quand je suis parti, j'ai mis presque un an entre le moment où j'ai arrêté le boulot et le moment où j'ai mis la clé de contact dans le van et que je suis parti, tu vois. Il y a eu un vrai sas où j'ai pu organiser les choses lentement. Oui. Et je pense que le retour en sens inverse demande du temps aussi. Ouais, j'en suis persuadé. C'est un vrai bouleversement de méthodologie de vie. C'est pas juste genre... c'est pas comme si tu disais j'ai un appart ou une maison, j'achète un camion, je me barre pendant 6 mois, je reviens dans mon appart. Parce que dans cette démarche-là, tu sais que t'as ton appart. Donc ton cerveau, il sait qu'à un moment donné, tu vas rentrer. T'as un point de départ, si on va voilà. Arriver, voilà, les choses sont claires. Quoi. Mais autant ça peut être effrayant de se lancer comme ça sans vraiment savoir où on va, autant à un moment donné, je pense que ça s'inscrit en soi. Et c'est difficile
de voilà. Et je pense que quand tu vis ce que tu racontes là, que tu dis bon allez je me réinsère dans une vie un peu plus sédentaire, etc. Et tu es confronté à tout ça. Et moi je pense que notamment la van life, quand elle est faite proprement, intelligemment et bien organisée, Chico c'est pareil, on discute souvent et il me dit pour rien au monde, il me dit moi j'arrive. J'ai envie des fois pour certains trucs, pour retrouver du confort, pour certains. Voilà, bon, c'est, lui il se plaint un peu aussi, il dit au niveau gonzesse c'est compliqué, machin chi machin chouette. Mais il dit pour l'instant je me sens pas d'arrêter quoi. C'est... Moi je pense qu'il y a un entre-deux qui peut être intéressant, justement, d'où l'intérêt d'avoir une base en fait où tu peux revenir et. Ouais, je pense que c'est important. Te ressourcer parce que c'est fatigant quand même d'être toujours dans un van. Enfin, c'est pas une vie. C'est pas apaisant. Aussi simple. Non. On dit toujours que c'est la liberté et tout, mais c'est le vivre pendant plusieurs années d'affilée, c'est pas aussi simple. Et c'est épuisant. C'est une vie qui demande une logistique totalement différente. Bah oui, parce que je pense que tu dois t'adapter. Chaque jour, tu t'adaptes en fait. Tu sais jamais, t'as pas cette routine, à moins que tu restes sur un spot pendant 3 mois où t'arrives à créer une routine d'habitude, mais... T'as des formes de routine qui se dessinent, mais elles sont très régulièrement repoussées, bougées, malaxées, parce que... L'environnement change. Tout change autour de toi, enfin, très souvent. Donc, C'est rien que quand tu disais tout à l'heure, la fenêtre, j'entends des bruits, ça me permet de regarder, etc. Rien que ça veut dire que ton cerveau s'est habitué à ce que quand tu es pas... Enfin, que quand tu es dans certains endroits, tu restes à l'affût parce que tu sais que tu restes en camion, que tu sais qu'il y a des connards qui peuvent venir, tu sais que si, tu sais que surtout ça. Surtout que moi, il y a un truc qui m'arrive très souvent et qu'on ne soupçonne pas, mais qui a sa petite importance quand même, c'est que comme tu bouges très souvent de spot et d'endroit, le matin, quand tu te réveilles, il fait noir. Et moi, je dois prendre parfois une minute ou deux pour me dire je suis là. T'es désorienté? Parce que je me dis, attends, je suis là. Ah non, ça c'était avant-hier. Et t'es obligé de refaire le fil. Et je suis obligé de refaire le fil pour me dire, et prendre, et ça peut parfois, ça vient très vite, et parfois ça peut me prendre une minute en me dire, ah non, en fait, t'es là. Et je me respatialisais le truc dans la tête avant d'ouvrir les volets et de savoir sur quoi je vais tomber en fait. Je comprends. Et ça m'arrive, ouais, ça c'est un truc qui m'arrive, c'est juste le matin, tu ouvres les yeux, tu dis je suis où en fait. Pourtant toi, l'intérieur de ton van, il n'a pas bougé. Donc ton environnement proche, c'est ton lit, t'es dans ton lit, mais tu ne sais pas où tu es. Ouais, c'est comprends. Très très particulier comme sensation. T'as tes odeurs, t'as tes repères, mais, mais le lieu en dehors, tu peux te dire merde. Tu peux te retrouver dans le fin fond d'un sud de la France, au nord, machin, dans des montagnes, n'importe où. Et c'est assez perturbant parfois. Surtout quand t'arrives pas à retrouver, tu vois. Surtout quand tu te trompes, que tu te dis ah, je suis là. Ça t'est déjà arrivé de te dire je suis là et le volet voilà. Et tu dis ah non, c'est pas là. Du tout. Ah, c'est déjà arrivé. Ça c'était hier. Ça c'était avant-hier. Quoi, ah ouais? Ah ouais, ça m'arrive. C'est fou. Ou, tu vois, t'es là. Ah oui, non, c'était pas là. Non, c'était il y a 2 jours. En fait, je suis pas là, je suis là. Ça fait des haricots. Donc, je vais changer les batteries ce soir. Je vais prendre les deux. Oui, c'est bon, la merde. J'ai goût. Oui, bien sûr. Et Ben? Ben? Aurélie? Julien? Nous? Ça va, c'est cool. Et Cam dans la frustration ultime encore? Attends, je filme. Ça, c'est une recette que tu as fait toi ou que tu as trouvé un peu? Non, je l'ai faite. Tu permets? Alors, et ça là? Ça m'énerve.
en fait, je crois que si je disais bien ça, bien ok, je suis prêt. Attention, petit pied, mais... Ah, hein, je ne passerai pas à ça, tu sais.